Qui aide les humains? Eh bien, pour la grande majorité d'autres humains. Et c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être. Car tous les humains, on va dire, n'ont pas le même degré de germination ou de développement de leurs petites graines. Et pour que le discours soit entendable et qu'il y ait des ressentis, il est nécessaire que ça passe par juste le stade au-dessus d'où l'humain en est. Donc il y a plein de niveaux ici. Et donc ce stade au-dessus est fait par un autre humain. Les départs sont obligatoirement avec des gros repères. Après, les repères s'amoindrissent. Mais ces repères sont nécessaires car ils sont des piliers. La liberté telle que je la décris ne peut être comprise, ne peut être ressentie. Elle pourrait faire peur. Donc, il est nécessaire qu'il y ait des humains avec encore beaucoup de croyances, un peu moins de croyances, encore un peu moins de croyances, dans plein de domaines différents, afin de capter juste le niveau au-dessous de germination de la petite graine. C'est parfait.